Bonjour mes amis, je viens d'aller dans cette épicerie juste derrière moi. J'ai besoin d'air. Je viens d'aller dans cette épicerie juste derrière moi mes amis. Et c'est la folie. Au fond, les gens se désinfectent les mains. Vraiment, c'est... Est-ce qu'il y a une épidémie quelque part? Est-ce que vous avez vu quelqu'un de malade? Moi, à date, j'ai pas vu personne ici. Évidemment, je suis pas dans une ville. Mais j'aimerais que ceux qui connaissent des gens vraiment malades du COVID, puis même encore, les tests ne sont pas concluants. Évidemment, je ne crois pas. Le coronavirus, la famille du coronavirus, c'est partout. Il y en a partout. Il y en a toujours eu. C'est pas nouveau. C'est pas quelque chose de nouveau. Et je vois personne de malade. Je vois seulement que des fous. C'est tout ce que je vois. Et je peux vous dire quelque chose à vous, le gouvernement. Un jour, vous allez payer ce que vous faites. Vous allez payer cher. Vous allez payer ce que vous faites à la population. Vous êtes en train de faire endurer aux gens des folies furieuses, surtout aux gens qui sont lucides comme moi. De voir les gens complètement fous, les moutons sont complètement stressés, ils ont peur de mourir. C'est incroyable. Vous savez, un virus, là, hein? Premièrement, pour qu'on ait suffisamment de virus pour contaminer quelqu'un, il faut commencer par avoir cette... cette charge virale, cette augmentation des virus en vous pour que vous ayez des symptômes et que vous vous mettiez à avoir une quinte de taux et que vous soyez, bon, bonjour madame, ça va bien? Vous avez peur? Les gens sont vraiment fous. Et ces gens-là, évidemment, aident la cause. Parce que ces gens-là sont terrifiés, au fond. Ils ont peur. C'est là qu'on voit la nature profonde des gens. Ils vont commencer à sniffer des... Oh, l'air... Mon Dieu, j'ai le coronavirus. Oh, j'ai le COVID-19. J'ai la maladie du COVID. C'est de la foutaise. C'est un intox. Un intox. Évidemment, les gens n'y croient pas. À ce que nous, on va dire. Ils vont croire ce que le gouvernement va dire. Ils ne croient pas que... tout ça, c'est une intox. Oh non, non, c'est pas une intox, voyons, qu'est-ce que tu dis là? Ah, tu es un irresponsable! Eh bien, l'avenir va me dire si je suis un irresponsable ou non. Et je peux vous garantir que j'ai pas peur de l'avenir. J'ai plutôt peur de ce qu'ils vont faire de notre avenir. Ça, c'est la différence. J'ai pas peur du COVID-19 plus que j'ai une envie de chier. Et je vous dis, vous, le nouvel ordre mondial, je vous emmerde. Je sais ce que vous êtes en train de faire. Je sais ce que tout cette... Cette clique de Londres est en train de nous organiser. Derrière tout ça, c'est quoi? C'est la haute finance. La City de Londres. Et on est en train de faire un grand recette de tout ce système. Au fond, on initialise le système. On va réinitialiser le système. On va l'initialiser dans une nouvelle période, le nouvel ordre mondial. On s'en vient là-dedans. Pour être malade, il faut avoir une épidémie, il faut avoir des gens malades. Il faut avoir des gens malades. À date, tous ceux que je connais depuis le début du confinement ne sont pas malades. Il n'y a personne de malade ici. Ils vont dire, oui, c'est grâce au confinement. Ah oui? Comment pouvez-vous deviner que c'est le confinement? Pouvez-vous savoir vraiment? Ils me regardent comme si j'étais un fou quand c'est eux les fous. Les gens, ça fait des années qu'ils me regardent comme ça. Mais moi, je savais déjà que c'était pour arriver tout ça. Je le savais, avant eux, avant tous ces gens-là. C'est bête, hein, de voir des gens aussi apeurés, avoir aussi peur. Moi, je porte des gants, parce que ça m'intéresse pas de mettre un gel hydroalcoolisé pour que ça me pénètre. C'est transdermique. C'est transdermique. Les gens ne savent pas c'est quoi le transdermique aussi. Ils n'ont pas aucune connaissance scientifique. Ils ne savent pas comment ça fonctionne, comment on se pollue par la peau et que ça rentre dans le sang. Ils sont en train de se tuer avec les gels, avec les toutes sortes de produits. Oh, c'est un désinfectant, c'est pas grave, tu peux te mettre. Regarde, j'ai ça aussi, ça va. Si t'es pas capable de le gel, on va te mettre l'eau de Javel. Franchement. Oh, c'est bon, hein, s'irriter la peau avec toutes sortes de produits chimiques. On est fait pour ça, nous autres, les êtres humains. Hein? On est fait pour vivre dans le chimique. Hein? Écoutez. Cette crise du COVID a été fomentée de toutes pièces, je vous le répète. Vous êtes en train de vous faire ridiculiser par le nouvel ordre mondial. Et c'est pas terminé. Hein. Ça ne fait que commencer. Ça ne fait que commencer. Vous n'avez pas fini d'en voir des choses.
Ça s'en vient. Je vous laisse là-dessus, les amis. J'espère que vous allez en profiter pleinement. De votre vie, de votre liberté. En tout cas, ce qui reste de liberté. À la prochaine.